Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Deadcore, un jeu de plateforme avec des éléments de FPS vendu à 9,99 sur Steam. Il est fait par une équipe française, ça veut dire qu'on a le droit au français dans les langues, ce qui est appréciable même s'il n'y a pas beaucoup de texte. Le jeu est sorti il y a peu et il y a deux modes de jeu, le mode histoire, donc là on va avancer dans les stages, et le mode speedrun où je suppose on est censé battre les records imposés par les autres joueurs et par nous-mêmes. Alors on est parti, il va y avoir une introduction, je vais vous la laisser regarder et après on va commencer le début du jeu. Alors, ok, nouveau cycle et nouveau jeu. Alors, nous voici sur le jeu. La première chose que l'on peut remarquer, c'est quand même le style graphique, assez comme Tron, ou Tron, je sais pas comment on dit en français, moi je dis Tron, avec ces espèces de traits lumineux, j'adore, franchement, c'est vraiment mon style. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde, ça fait très sci-fi, mais moi j'adore. Alors, ah, on a du texte, escalader, monter, ok, donc on va devoir monter. C'est très simple, on se déplace avec ZQSD, on saute, il y a du double jump, c'est parfait, et pour le moment, ah! Clic droit ça zoom, le clic gauche ne fait rien. Donc hop. Donc on y va. Et là on a un truc réapparition R. Donc ça doit être un checkpoint, je suppose. Ils me disent d'appuyer R. Oui, R me ramène au checkpoint. C'est bien, vous voyez, c'est rapide. Hein. Donc, pas de chargement, ça j'adore. Alors c'est parti. On continue à grimper. Pour le moment, les contrôles sont vraiment fluides. Je fais vraiment ce que je veux faire avec mon personnage. Ça c'est très appréciable. Hop, oup, non là j'ai pas fait exactement ce que je voulais. hop. Alors ok, là il y a un jumper, ils nous disent. Sûrement un truc qui nous propulse. Regardez-moi, le style est quand même pas mal, hein, le style graphique. Alors, bon, on va aller à gauche. Hop. Pour le moment c'est le début, donc c'est très simple. Comme d'hab dans ces jeux, d'abord on commence avec le tutoriel pour voir les bases. Ouh. Je crois que si j'avais touché ça, oui, ça m'aurait repropulsé dans le vide. On commence par les bases et si jamais ça met un petit peu de temps, trop de temps à démarrer, on avancera le jeu. Avec les nouveaux mécaniques. Alors. Oh. Ça c'est beau. Hein. Les trucs qui flottent. Franchement. Alors là on a un truc bizarre. Ah, c'est notre arme. Excellent. Ok. Vous voyez les éléments des FPS commencent. On saute, je suppose. Ouh, j'ai un peu le vertige. Caillou qui flotte là-haut. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Regardons un petit peu derrière ce que ça donne. Donc, je suppose qu'on va devoir aller là-haut. Et on a 29 balles, je crois. Hein, je regarde. Ouais. Ah non, si j'appuie R, j'allais appuyer R pour recharger. Mais si j'appuie R, ça me ramène au checkpoint. Alors, on continue. Très simple. Un petit double jump. Et là ils nous disent activer, tirer. Okay. C'est sympa les petits messages comme ça, vous voyez, discretos qui s'affichent. Alors il y a une plateforme là, mais je pense qu'on va devoir y aller par là. Okay. Hop. Là je fais pas trop de double jump parce que si je me rate, je tombe dans le vide. Donc je veux garder le double jump comme sécurité. Activer jumper. Ça, je crois que ça c'est un checkpoint. Ça. Et... Aïe. Non. On y va. Hop. Il n'y en a plus, donc là, on saute. Là, il nous dit désactiver le jumper, ok. Hop, on avance bien, c'est cool ça. Alors je choisis toujours le chemin de gauche, je sais pas pourquoi. Hop. Ouh.
Ok. Et là, on a gagné quoi? Nouveau log débloqué, T-log 01 racine. C'est quoi? Tourelle, danger. Ouh, tourelle. Ah, okay. Ok, ça explose pas. C'est bon. Hop. Là, on saute. Ouh. Éviter les petites balles en même temps, c'est chaud. Je me demande si je peux désactiver les tourelles. Ah ouais, on peut les désactiver, ok. On tire encore dessus? Non, ok. Ah, c'est classe, on voit vraiment tous les autres éléments du stage, vous voyez les trucs qui tournent là-bas. Ça c'est classe. Ok, par la gauche. Jump. Faut vraiment savoir quand est-ce que le jump est utile ou quand il faut le désactiver. Oh, ok. Ah ça va, je maîtrise bien les tourelles. Je pose par là. Et aucune tourelle me voit. Ouais, ça il faut le désactiver. Il me reste 25 balles. J'ai cru que j'en aurais tiré plus. Où est-ce que je vais là? J'ai aucune idée d'où aller. Ah là-bas. Non, si. Ah, ok, voilà. Ouh. Il y a un truc qui me tire dessus, ouais, toi. Hop, ouh, je les ai maîtrisés là, ils n'ont rien compris. Bon. Ça s'est calmé un peu. Et là, ok, on descend. Ah, d'accord, je comprends pourquoi j'ai plus de balles que je pensais qu'il me restait. Quand on arrive à un checkpoint, ça nous les redonne. Projeter, transmettre, volonté, loin. Faut que je tire sur ça? Non. Plus ça? Ok. Et là, j'ai gagné une nouvelle musique, Shining Gate. Ok. Je sais pas si... Non, je pense pas qu'on puisse les avoir dans le jeu. Il faut peut-être aller dans le menu. Là, ils nous disent quoi? Transmettre, prévoir, futur. Ok. On va tester comme ça. Ok. Ah, d'accord. Il fallait que je pense... D'accord, il faut que je les désactive. Si je les désactive pas, ça m'a repoussé. Bon, ok. Ça tombe bien. Je dois aller où? Ah, pas j'rate. Ah oui, voilà. Pas de secret derrière. Ok, donc là, il faut que je prévoie le passage, c'est une blague. Ok, quand ça va se baisser. Là. Ouh, oh, oh, excellent. Ok, j'ai déjà ouvert le machin, je sais pas ce que ça fait. Ah, je me suis raté. On appuie R et là je vais pas réussir bien sûr. Ouh si. Ok, j'ai compris comment il faut faire. Je vais juste sauter sur le machin là. Wow, j'étais un petit peu tôt. Ok. C'est là. Mais c'est quoi ça? Faut que je tire sur le machin? Ah, ça fait arrêter l'hélice, ok. J'aurais pu y passer, je pense, même sans. Ok. Wow! Ah, d'accord, l'hélice m'aspire, mais bon, c'est pas gênant. J'ai pu passer sans arrêter l'hélice. Et donc là, on a chopé une étincelle. Regardons un petit peu ce stage. Puis on va partir par là-bas. Ah, elle m'aspire. Ok. Je suis où là? Je dois partir dans le sens? Non, on peut partir par là. Ah non, je dois partir par là, ok. Oui. On refait. Ok, donc là on va désactiver.
Oula. Là il y a un bug là. Là il y a un petit bug. Ouh. Il y a un petit bug avec une collision, je sais pas quoi. Hop. Hein? Ah, je sais, c'est pas un bug. D'accord, oui, c'est le... C'est parce que je prends trop de temps, regardez. Vous avez vu? Hop. Et il revient. Donc, faut pas que je m'arrête. Hop, j'ai réussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Wow, wow. Ok. Moi, je m'attendais sur celui-là. Wow. Voilà. Et là. Non, ok, je m'attends à ce qu'ils deviennent des ennemis. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois activer ça en premier ou le truc en haut? Hein? Ah, d'accord, ok. Donc, déjà, on ouvre le machin et on active. Je vais attendre que ça se referme. On ouvre, on active et on saute. Et on a fini le stage apparemment. Bah c'est excellent, bah on va continuer comme ça. Continuer. Oui, donc là on est plus en intérieur qu'en extérieur. Anomalie instable. Désintégré, laser, éviter, erreur, danger. Ok. Tu veux que je tire sur ça? Ah, je vais faire ça. Ah, faut pas que je touche le laser. Ok, donc je peux pas aller tout en haut, je dois aller juste en bas. Ok, je vais aller suivre en bas. Ah, à moins que je fasse ça. Ah, attends, je vais réussir. Non, alors essaye. Il me faut de l'élan. Pourquoi là je peux faire qu'un saut? Tout à l'heure j'ai pu en faire. Apparemment on peut pas, donc on va en bas. Hop là. Là j'ai gagné un nouveau log. Je vais pas remonter en haut. Donc on passe là. Oula, je sais pas si c'est avant. Ouais, ça... j'avais du mal à voir si le rouge était avant ou après. Hop, un petit save. Oh, oh. Pas bon. Ouh, j'ai réussi à m'appuyer sur la bordure d'un cube. De justesse. Hop, on sauvegarde. Et là, on a des trucs bizarres. Pourquoi ça pousse là-bas? C'est un truc, souvent un piège. Il faut se dépêcher. Pas trop. Ah, c'est bon, là, je dois avoir du retard. Ah, et je retombe. On recommence. Faut pas prendre du retard si je prends... Si je prends trop de retard... Oula, je vais me faire choper. Hop, faire attention à ne pas se faire propulser en arrière. Qu'est-ce que je dois faire là? Je sais pas ce que je dois faire. Ah, je crois que je dois monter sur le laser en fait. Ok. Ah! Il faut que j'avance. Si j'avance pas, je tombe. C'est dur ça. Hop! Ok. Ah, c'est plus chaud que le premier stage quand même. Alors, attention. Là, il y a des trucs. Faut que je saute dessus quand il est au milieu donc. Hop! Ouais, 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 bon. Je commence à retomber. Donc là, ok.
Ah, j'ai l'impression que je peux sauter plus loin là. C'est un ennemi ça, je crois, le truc en bas. Est-ce qu'il peut voler? Non, c'est pas l'ennemi là. Non, il peut pas voler. Je pense qu'il peut faire. Hop. Ah, la lumière rouge est oppressante là. C'est un peu naze quand on est trop plus... Ah voilà, ok. Et on sauvegarde, merci. Wow, c'est un ennemi. le petit coup. Ah, ok, piégé. Tiens. Ah mince, aïe. Les cubes sont vraiment petits là, donc c'est dur à... Bah, il est plus là. Wow. Ah, ça me repousse en fait, ça me tue pas. Ah, ça se complique, ok. Alors, hop, va-t'en. Ah, j'arrive pas. Wow. C'est dur. Ok, on y va Ouais, non, on y va pas calmement, là, ça a raté. J'ai utilisé un double jump pour rien. Père tombe. On jump. Encore. Ouf. Ah, c'est chaud à passer ça. Ils me disent quoi? Explorer, chemin, multiple, choisir. On prend le suivi au centre. Alors là, je prends à droite au lieu d'à gauche. Alors, il y a des ennemis, attention. Hop. Excellent. C'est quoi ce truc? La vache. Il va falloir que je saute sur le côté pour l'éviter. Oh. Ah, il bouge en plus. Vous avez vu, en plus ils vont pas droit. Ok. C'est beau, on a évité les machins. Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parte sur ça? Je suis pas revenu en arrière là? J'ai aucune idée d'où je... Ouais, ok, je crois que je suis revenu en arrière. Oui, je suis revenu en arrière. Oh, ok. On va essayer... On va essayer dans ce sens, on va voir. Parce que l'autre côté, j'étais déjà allé. Ok. Bon, t'arrêtes de faire ça? Il m'empêche de retourner en fait, hein, vous avez vu. Donc ok, bon, bah, on va continuer par là. Ah ouais, mais là, je peux rien faire, là. Je peux rien faire du tout, c'est... C'est chaud? Je vais aller sur le côté. Ouais. Il m'a pas fait sauter assez haut. On va aller sur le côté droit cette fois. Ok. Je sais pas trop comment le passer parce que là il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de temps pour que je puisse. Et là, oh, ok, donc c'est pas bon. Un autre essai, il faut recommencer plusieurs fois à certains endroits quand même.
Ok. Ok. Oh la vache! C'était pas le même endroit, non, c'était un autre. Ah. Oh. Dextérité et vitesse. Ouais, peut-être. Oh, wow. Oh. Ah, ok, ça c'est beau. Oh, bah, c'était pas si dur celui-là. On part vite avant de se choper. On monte. Ah oui, voilà, c'est là la dextérité et la vitesse. Hé, hey, c'est passé haut. Ok. Je me demande s'il y a un truc là-haut qu'on aurait pu choper. Hop, et on sauvegarde. Et là, on a deux chemins. On a un truc à débloquer au bout. On peut voir ouais, l'espèce de... machin, et on a cet endroit qui est beaucoup plus rouge. C'est pas bon, allez par là, allez. Wow, ok, je vais glisser. Ah, il y a un truc qui me pousse. Ah, les 20 kilos, ok. Le problème sur ces machins, c'est que quand on est dessus et qu'ils bougent, on ne se déplace pas avec eux en fait. On reste à peu près à la même endroit et donc on glisse. J'ai compris la difficulté d'ici. C'est chaud. Ah, je peux pas là moi. J'ai pas la dextérité. On va aller dans l'autre sens. Il y a un truc là-haut. Là on a débloqué une musique. Il y a plein de chemins. Il y a un autre chemin par là-bas, il y en a un par là, il y en a un par ici. Oh, c'est quoi ce truc? Ok, on va retenter. Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc que j'ai raté. Ah bah c'est pas un chemin, ok. Bah, pourquoi je suis mort là? J'ai pas trop compris. J'ai cru que j'étais passé entre les rayons, les lasers. Ah, peut-être le mur. On va retenter par là. Ok, là c'est beau. Ah, il n'y a pas besoin de faire un double saut en fait. Ouh, j'ai réussi. Bon, une save s'il vous plaît. Checkpoint. Ouh, le checkpoint est l'autre côté. Il y a quoi ici? Il y a rien. Ok. Quand même, on peut apprécier la complexité du stage. Surtout, vous voyez, il n'y a presque pas de loading. Bon, il y a quand même des loadings entre les gros morceaux. Mais depuis le début de ce stage, il n'y a pas eu un seul loading. Et on peut voir tous les endroits où je suis passé. C'est bluffant. Donc voilà. Ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Vas-y, remonte. Ok. Ah mince, ça c'est pas bon ça. Vas-y, repousse-moi. Ah, je voulais qu'il me repousse en fait. Il m'a pas repoussé. Par là-bas. Hop là. Plein de trucs, plein de choses. Oh, il y a un truc marron là-bas. On va aller voir c'est quoi. Vous avez vu, il y a plein de chemins, ça c'est cool.
Ah, de sauter trop haut. On va essayer un autre endroit. Wow, ok. Un ennemi. Un ventilo bizarre. Attention. Ah, une tourelle. On s'en occupe. Et je me fais attirer par le vent des ventilos. Comment je te désactive, toi? Où est-ce que t'es? Il est où? Ah. Ok. Oh, tout bizarre, là. Un moulin. Et une save, ok, on la prend volontiers. Oh, il y avait un truc là-bas, vous avez vu? Ah! Bon, ok, je vais aller prendre la... Ça. C'est un truc d'or en plus. Nouveau log débloqué. C'est même pas... On est même pas obligé de passer par le chemin qu'ils ont prévu. Comment je suis... Ah. Je me rappelle plus comment je suis monté là-haut. Aïe. Ah bah au moins le truc d'or que j'ai ramassé, toujours là. Ok. Transition, regarde... Oh, regardez en haut. Effectivement. Comment... Ok. Donc vous voyez, bah, c'est ce type de jeu, c'est très fun, franchement j'adore. Si vous hésitez, moi je pense que pour 10 euros, ça vaut largement le coup. C'est très maniable, ce n'est pas frustrant, même s'il y a des endroits là où je suis mort plusieurs fois. Je ne me suis jamais senti vraiment frustré, donc ça c'est cool. Et en plus c'est satisfaisant, et c'est rapide. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à regarder la description. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.